Bonsoir à toutes et à tous. Bon, on a attendu un petit peu. Et donc on va démarrer. Voilà, donc on attend un petit peu, parce que c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on était à la branche du travail, peut-être un peu moins d'habitude dans ce lieu nouveau, pour nous et pour la ville d'ailleurs, parce que je crois qu'il a été inauguré il y a moins d'un an. Donc voilà, du coup j'en profite pour remercier l'équipe de la mission Égalité de nous accueillir dans ce lieu. Deux mots sur le festival Origine Contrôlée qui cette année est un petit peu particulier. Donc on avait pris nos habitudes à la Bourse du Travail, place Saint-Cernin, mais la Bourse du Travail cette année est en travaux, donc on n'a pas pu. Le festival n'a pas pu s'y dérouler. Et on a été dans différents endroits et à différents moments depuis fin septembre de la ville. C'est vrai que bon, ça a eu tendance aussi à faire en sorte que, y compris nous-mêmes, on est un peu perdu quelques-uns de nos repères. Mais donc là, on arrive sur la fin du festival, puisqu'on est sur l'avant-dernière journée. Le festival se termine demain à la Grainerie, à Palma, sous chapiteau, avec une soirée où il y aura Kenny Arcana, Massive Sound System et des DJ ensuite pour terminer la soirée. Donc c'est vraiment une soirée musicale. Je l'annonce, mais elle est complète, donc ne venez pas, tu sais pas oublier. Donc voilà, et ensuite, après la rencontre de ce soir, aux Connexions Café, on programme Kazé et Rossé, qui sont des artistes de hip-hop qu'on a l'habitude d'accueillir au festival Origine Contrôlée. Mais voilà, quand on aime, on compte pas, on n'hésite pas à les programmer régulièrement. Kazé, on l'avait déjà programmé l'année dernière, déjà il y a 3 ans, mais à chaque fois il y a des choses nouvelles, un propos intéressant, et c'est ce qui compte pour nous, c'est la qualité de son expression artistique, musicale, et c'est la même chose avec Rossé. Là il reste encore quelques places, si vous voulez aller voir Kazé Rossé tout à l'heure. Le Connexion Café, donc, qui est rue Gabriel Péri, pas très très loin. La rencontre de ce soir, elle est autour du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, donc en cette année 2012, on est dans l'année du cinquantenaire. Nous, ce qu'on a voulu, mais bon, Naïma va l'expliquer encore mieux que moi, voilà, c'est aussi d'être au-delà des faits historiques eux-mêmes, mais plutôt aussi sur les productions, sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là, qu'est-ce que ça veut dire, quel impact ça a sur la société française d'aujourd'hui. Voilà, on a voulu aussi réfléchir à cette question-là du point de vue où on est. Et on a invité, avec l'aide de Naïma, qui nous a beaucoup aidé sur la programmation de cette édition Origine Contrôlée. Donc on a invité Mustapha Arzoun, Alain Ruscio, Rosa Moussaoui et Yahya Belaskri. J'en profite aussi pour excuser Samia Messaoui qui devait être présente mais qui est vraiment un empêchement, qui s'est décommandé cet après-midi. Mais généralement Samia fait pas faux bon, je pense que c'est vraiment de bonnes raisons qu'elle n'a pas pu venir. Voilà, je vais pas perdre plus de temps sur la rencontre et de passer le relais Naïma. Voilà, ensuite évidemment il y aura la possibilité d'un échange avec la salle, je pense que tu peux le dire. Je remercie aussi Terra Nova qui, comme d'habitude, depuis plusieurs années maintenant, est présent sur le festival Origine Contrôlée. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour nous, on a des auteurs, et il y a des livres, et donc les livres sont présents grâce à la sélection que fait à chaque fois Terra Nova, de manière tout à fait pertinente à partir de notre programmation. Voilà. Bonne rencontre à tout le monde. Merci Salah. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Et merci à nos invités d'avoir permis cette rencontre ce soir autour de cette thématique de Algérie, le temps d'un cinquantenaire. Donc ce soir, nous allons nous interroger et essayer de répondre en direct sur la genèse d'un certain nombre de projets de dimension scientifique et culturelle
dans laquelle s'inscrit d'ailleurs cette rencontre, puisque nous sommes encore dans cette année de commémoration, mais de commémoration au pluriel, puisqu'effectivement, il y a plusieurs séquences historiques qui sont commémorées cette année. On pourrait même dire, et Mustapha tout à l'heure peut-être en touchera un mot, que ces commémorations ont démarré avec celle du cinquantenaire des massacres du 17 octobre 61, qui avait déjà été l'objet de différentes manifestations et productions mémorielles. Si vous êtes venu à notre échange de fin septembre autour de la question épistémologique de la mémoire, nous avions débattu justement sur l'action de la résurgence mémorielle, de ces trous de mémoire qui aujourd'hui faisaient l'objet d'un certain nombre de projets qui avaient pour but ultime effectivement de lever le voile sur des pans plus ou moins connus de notre histoire contemporaine liée à l'histoire des relations franco-algériennes et en particulier de ce moment charnière qui est la guerre d'Algérie. Sur ces entrefaits, donc, nous avons donc à nos côtés un certain nombre d'auteurs et responsables associatifs ou journalistes qui a eu cette année une certaine actualité. Donc, vous aurez l'occasion de faire quelques emplettes si vous ne savez pas quoi offrir à Noël grâce à Terra Nova qui nous a mis à disposition un certain nombre d'ouvrages. Donc, je voudrais vous présenter tout d'abord à ma droite Mustapha Arzoun, qui a coordonné cette édition d'un recueil de nouvelles, 17 écrivains se souviennent du 17 octobre 61, qui, comme son titre l'indique, est un recueil de fictions, de nouvelles qui ont été proposées sur ce thème de la nuit du 17 octobre, cette nuit noire qui avait vu cette manifestation d'Algériens dans les rues de Paris et de province, à l'appel du FLN contre le couvre-feu imposé aux Algériens en France métropolitaine et qui avait fait l'objet d'une répression sanglante avec plusieurs centaines de victimes. Nous en parlons tout à l'heure avec Mustapha, qui a aussi coordonné, je crois que tu as amené la revue, deux numéros de la revue de sociologie Hommes et Migrations, édité par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, merci Mustapha, qui a été donc pour ces deux derniers numéros consacrés à la question des relations franco-algériennes. Son second numéro est sorti cet été sur le thème de France-Algérie, le temps du renouveau, où un certain nombre de chercheurs et de journalistes proposent des temps de réflexion sur des aspects aussi divers que les aspects culturels, politiques et d'autres séquences. Tu nous présenteras tout à l'heure. Donc voilà pour Mustapha qui a coordonné cet ouvrage, merci Rosa, avec Samia Messaoudi, donc qui n'est pas là ce soir, mais qui a beaucoup travaillé avec son association Au nom de la mémoire sur ces aspects, et notamment l'émergence d'une reconnaissance officielle du 7 octobre 61. Nous avons à nos côtés, à ma gauche, Yahya Belaskri, donc romancier, qui a coordonné avec Elisabeth Lenne, de la Cité nationale sur l'immigration, cet ouvrage Algérie 50, donc 50 nouvelles, 25. J'en ai rajouté, une achetée gratuite, donc 25 nouvelles, sur ces 50 dernières années, et pas seulement sur cette séquence de la guerre, sur l'Algérie, qu'est-ce qu'elle pouvait évoquer pour des auteurs aussi divers que, par exemple, Jérôme Ferrari, le dernier Goncourt, on en parlait tout à l'heure, qui avait déjà écrit sur la question, ou d'autres, j'ai quelques noms, Yahya, donc, Bernard Magnier, Leïla Marouane, Nareski Metref, et bien d'autres auteurs qui s'étaient déjà distingués pour avoir traité la question algérienne dans leur littérature, et qui ici nous offrent des moments avec quelques belles perles, vraiment des bijoux de nouvelles sur ces questions des Algéries, puisqu'effectivement, il y a un S pour ces écrivains qui nous propose un moment sur l'Algérie et son dernier roman. Je suis moins bonne que Bernard Pivot. Donc, Yahya Belaskri, une longue nuit d'absence aux éditions Vendaya. Merci Yahya. Et enfin, Rosa, donc, qui m'a gentiment aidée. Donc, Rosa Moussaoui, journaliste à l'Humanité et à la Russie aux chercheurs qui ont coordonné cet ouvrage L'Humanité censurée, un quotidien dans la guerre d'Algérie, qui va traiter de cette question particulière d'un journal donc engagé qui, à l'époque, voyait certains des articles censurés, notamment pour ses positions anticolonialistes et anti-guerre d'Algérie.
Voilà pour les ouvrages de nos invités. J'aimerais simplement rappeler en propos introductif que j'évoquais avec vous cette question de la genèse de ces projets dans le cadre de commémoration. Bien évidemment, les uns et les autres avaient des accointances avec le sujet. Parfois, vous aviez déjà produit un certain nombre de choses, parfois pas. Mais cette année de commémoration, ça a été le cas pour moi puisque je travaille aussi sur ces questions. La question que nous nous sommes posée de manière consciente ou inconsciente, c'est effectivement cette année de commémoration de la fin de la guerre comme de l'indépendance de l'Algérie marque un temps mémoriel. Et ce temps mémoriel a été, par exemple, le temps d'une exposition pour la mairie de Paris puisqu'elle propose Paris en guerre d'Algérie, et Alain peut-être nous en touchera un mot en tant que commissaire. Cette exposition va clore cette année 2012. D'autres, comme la Cité de l'immigration, va consacrer un moment d'exposition à la question de l'immigration algérienne pendant la guerre d'Algérie. Et bien évidemment, pour un pays où son ministre de la Défense à l'époque, des Affaires étrangères, Alain Juppé, avait appelé l'Algérie à la modération dans ses commémorations, la France elle-même, si elle n'a pas labellisé un programme culturel autour d'une commémoration officielle, il y a eu plus de 200 ouvrages en librairie qui sont sortis en termes de fiction ou scientifique sur cette question des commémorations, plus d'une vingtaine d'expositions, que dire de ces manifestations culturelles, concerts et autres éditions discographiques qui font référence aux commémorations du point de vue, par exemple, des populations européennes d'Algérie, de la question harkie, de la question politique, de la question de la guerre, avec un certain nombre de témoignages de particuliers ou d'acteurs officiels du conflit qui, à nouveau, ont fait la une sur un certain nombre de publications. Donc, dans ce contexte-là, je vais demander à chacun de nos invités peut-être d'exposer sa démarche et peut-être de donner un premier regard sur la manière dont a été reçu le ou les projets en référence à ces commémorations de la fin de la guerre d'Algérie et de l'indépendance donc de l'Algérie. Peut-être Yahya, on va commencer par toi peut-être. Alors, comment est venue l'idée de cet ouvrage? Comment elle s'inscrit dans ton œuvre? Et quelle expérience as-tu de sa réception par le public? De toute façon, bonsoir. Moi, je suis algérien, donc je suis traversé par tout ça. Et puis, je ne suis pas de toute première jeunesse, donc je suis né avant la guerre d'Algérie, et la guerre d'Algérie, je l'ai connue en tant qu'enfant. Mais au-delà de cela, moi, je suis romancier, et donc, par conséquent, cette question de l'indépendance de l'Algérie du cinquantenaire, c'est quelque chose qui me parle, bien entendu. Et en fait, c'était une rencontre à Alger avec un éditeur parisien, Marc Litz, des éditions Magellan. On était à Alger ensemble il y a 4 ans, je crois. Et puis on discutait, il m'a dit, j'ai une idée, et j'aimerais bien que ce soit toi qui la fasses. Donc on s'est revus après à Paris, on parlait de son idée. Et puis voilà, on a fait, et donc j'avais exigé que l'éditorial, c'est moi qui le termine, et que les écrivains que j'invite, c'est moi qui le fais. Qu'il ne m'impose aucun écrivain. Ça a été fait. Et donc voilà, j'ai appelé, pour être honnête, des copains, des amis, des écrivains français et algériens, vivant ici ou là-bas, et ça a donné ce travail-là. Donc spontanément, tous les écrivains ont répondu. Il y avait d'autres, mais on ne pouvait pas prendre plus, parce que ça aurait fait quelque chose d'assez énorme. Et ces Algérie 50, c'est parce que je leur ai demandé d'être dans le sensible, tout simplement. Ce rapport à l'Algérie, quel qu'il soit, alors quand on est français et qu'on a des rapports épisodiques avec l'Algérie, ou alors français ayant vécu là-bas, soit, disons, vécu à l'époque avant l'indépendance ou après, parce que beaucoup de gens l'ont connu après, ou alors des Algériens qui vivent ici et des Algériens qui vivent là-bas. Et nous avons un kaléidoscope, là, comme ça, de textes très, très, très beaux, tous pratiquement. Oui, ils sont tous beaux quand même, c'est pas quelques-uns. Mais, alors, ce qui est étonnant, c'est que tout ce qui est français est tendre, amoureux. Tout ce qui est algérien est amer, dur. C'est peut-être... On n'est pas dans la même perspective, bien entendu. Et donc, les textes les plus durs sont venus d'Algérie, sur les 50 ans de l'indépendance. C'est étonnant. Moi, ça ne m'étonne pas, mais bon, parce que ce sont des hommes et des femmes qui vivent là-bas. Et donc,
qui vivent autre chose que ce que je vis moi ici à Paris. Voilà, et ça a donné ce... Il y a Jérôme Ferrin, il y a Abdelkader Jemal, il y a Anwar Ben Malek, tous des écrivains reconnus qui, sur la en France ou en Algérie ou ailleurs. Là, il y a Malouane, donc des gens très divers. Puis il y a quelqu'un, un Français d'origine vietnamienne, Jean-Pierre Han, qui est un journaliste, critique du théâtre, critique littéraire. Donc aussi, son rapport avec cette Algérie, et il nous le raconte avec le prisme du Vietnam, de la guerre du Vietnam, en tant que comme enfant de Vietnamien, ici en France, comment il a vécu cette question de la guerre d'Algérie, et comment l'image de l'Algérien en France a remplacé l'image du Vietnamien. C'est succulent son texte, il raconte comment qu'à un moment donné on se fichait du Vietnamien en France, on disait oui, c'est les jeunes, je ne sais pas comment. Et puis à un moment donné, oh, ça bascule, c'est plus le Vietnamien, c'est l'Algérien qui devient la figure. On nie qu'on va traiter de tout, de fourbe et tout ça. Voilà. Donc, et c'est très intéressant. Et tous les textes sont de cette manière-là, hein, que ce soit des textes des écrivaines femmes ou des écrivains hommes. Justement, est-ce que tu as essuyé des refus ou des difficultés à comprendre la ligne éditoriale de ce recueil ? Pas du tout. Pas du tout. Tout de suite. Ce sont la plupart des écrivains, donc il n'était pas question de faire une thèse ou quoi que ce soit. Il y a un seul texte qui est un peu différent, c'est celui d'Anwar Ben Malek, qui est un peu violent, sur de la malédiction d'être arabe et de quelques manières de s'en sortir, ou de je ne me rappelle pas le titre de sa nouvelle, qui était un peu, qui secoue, quoi. Mais tout le monde a compris tout de suite, aucun refus. Je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus de textes que je ne pouvais pas entendre, pour faire un ouvrage qui puisse, que les gens puissent l'apprendre, quoi, pas un pavé. Et est-ce que tu as déjà des retours, justement, par rapport à ce recueil ? Alors, ce que je peux dire, c'est que, bien, déjà, c'est un recueil qui devait sortir en Russie et en Algérie. Il n'est pas sorti. Je ne sais pas pourquoi, mais un éditeur devait le prendre, il ne l'a pas pris. Je ne dirais pas. Je ne sais pas. Vraiment, les vraies raisons, je ne les connais pas. Donc, peut-être que c'est un problème éditorial, que l'éditeur, ça ne lui plaisait pas. Ou non. Mais il n'y a rien d'autre comme ça sur... voilà. Mais ce que je sais, c'est que quand il est sorti, dès qu'il est sorti ici, il a reçu de la part de la critique, il a été bien reçu. Et l'éditeur est très content, il me dit c'est très bien vendu. Il est tout content, donc il m'appelle tout le temps, il me dit ouais, on profite d'autres. J'ai dit mais tu payes plus cher quand même. Voilà. Par rapport justement aux commémorations, en quoi ce recueil participe de l'entreprise mémorielle de ce moment qui fait basculer l'Algérie dans l'indépendance et qui clôt presque 8 années de guerre pour la France, et voilà cette fin pour la présence française en Algérie. Mais en dehors de tout cela, moi, je le disais, je suis traversé par l'Algérie, je la porte, hein, elle est là, sur mon dos, c'est pas visible peut-être pour tout le monde, mais là je la porte. Hein. C'est lourd, c'est difficile, mais parce que je l'aime et parce qu'elle fait partie de moi, et donc je porte ses blessures, les miennes en même temps, donc c'est un peu lourd. Mais donc, au-delà de la séquence mémorielle, il fallait profiter de cette date-là, de cette année-là, pour donner à voir des Algériens. Voilà, il n'importait que ce soit des Algériens, non pas une Algérie, parce que moi, en tant que romancier, je n'obéis pas aux grands récits historiques fabriqués. Ici et là-bas. Moi, je suis sur un autre niveau. Des historiens travaillent, font leur travail d'historien, des universitaires font des recherches, et moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je m'inscris, je traverse ce récit, et quitte à le titiller, le remettre en cause dans mes textes, mon roman, le dernier en date, Une longue vue d'absence, aussi, c'est la guerre d'Algérie. C'est évident, je ne peux pas l'éviter. Et donc, c'est ça, mon travail là, c'est d'essayer de chercher ce qu'il y a derrière ce grand récit historique, ce qui n'est pas dit, puisque le romancier n'est pas... il est dans le travestissement ou dans du réel. Pas du réel, mais de la réalité. Le réel, c'est un autre concept. Donc voilà, je m'inscris là-dedans. Et donc...
au-delà de la guerre d'Algérie, au-delà de l'indépendance de 50 ans, il s'agissait d'ouvrir des brèches. Et le texte que j'ai écrit, moi, dans ce livre, c'est « Un homme mort, un seul pleure ». Et il s'agissait d'une rencontre entre deux personnes, un pied noir, qui est le fils de républicain espagnol, et un Algérien. Et en fait, ce sont des enfants qui sont nés à Oran, qui ont grandi à Oran, parce que je suis d'Oran. S'il y avait des Algérois ici, j'aurais dit que je suis de Oran, HAIT et Arandier, mais comme il n'y a pas d'Algérois, je ne dis pas, je suis d'Oran. Et donc, ce sont des enfants d'Oran et Français, Algériens qui ont vécu ensemble, qui se sont séparés après la guerre, et puis ils se retrouvent. Et il m'intéressait d'avoir cette approche-là. Merci, Yahya. Rosa, comment s'inscrit ce travail de recherche dans cette année justement de commémoration? Quelle est la jeunesse du projet que tu as pu avoir avec Alain? Peut-être vous pourrez répondre en binôme. Alors, en fait, au départ, ce projet-là, il n'existait pas quand on a pensé aux initiatives éditoriales. C'est vraiment un projet avec le journal. Évidemment, l'Algérie, elle est inscrite dans notre identité éditoriale. C'est un temps fort de l'histoire du journal, au même titre que le refus de la Première Guerre mondiale, au même titre que la lutte antifasciste, au même titre que la lutte pour l'indépendance de l'Indochine, etc. Donc évidemment, il fallait qu'on marque de manière très forte ce cinquantenaire. On l'avait déjà fait pour le cinquantenaire du déclenchement de l'insurrection. Il y avait eu un numéro spécial du journal, etc. Et on a travaillé sur un numéro hors série qui revient sur cette histoire-là, mais avec notre singularité, c'est-à-dire en faisant parler des témoins de cette histoire-là, qui sont aussi des gens auxquels on est attachés. Je pense par exemple à Henri Alleg, dont le témoignage sur la torture a contribué à l'époque à faire prendre conscience du fait que c'était pas du tout une pratique comme ça, contingente, mais que c'est institutionnalisé. Voilà, on a fait parler aussi nos amis, les gens auxquels on est attachés, les gens qui sont liés à cette histoire-là, qui la portent, comme disait Yahya, comme ça, comme quelque chose à la fois de lourd, dans la dimension de blessure aussi, mais aussi comme vraiment une part profonde de notre identité, quoi. Et en faisant ce travail, en préparant le hors-série, on est revenu évidemment sur la façon dont l'humanité avait été censurée pendant cette période-là. Alors, le journal n'a pas été censuré immédiatement. En 1954, lorsque l'insurrection est déclenchée, une femme, une reporter, est envoyée, elle était en Tunisie à ce moment-là, et dès que l'insurrection éclate, elle est envoyée en Algérie, dans les Aurès, et dès les premiers jours, dès les premières semaines, elle parle de la torture, du napalm, des ratissages. Donc là, à ce moment-là, c'est pas censuré. La censure commence avec le vote de la loi sur l'état d'urgence, le 3 avril 1955, qui donne aux autorités toute latitude de censurer les publications de presse, mais aussi les œuvres cinématographiques, les œuvres théâtrales, les émissions radiophoniques, etc. Et à partir de ce moment-là, le rouleau compresseur se met en place. On sait, la guerre d'Algérie, ça a été aussi une guerre contre les libertés individuelles et collectives, et une guerre contre la liberté de la presse, parce qu'il ne fallait pas que l'opinion voie le vrai visage de ce qu'on appelait alors la pacification. Donc cette répression-là, elle s'abat sur l'humanité, mais elle s'abat aussi sur des titres comme Le Canard Enchaîné, comme Témoignage Chrétien, comme L'Observateur, comme L'Express, qui parlent de la torture, qui parlent des massacres de civils, qui parlent... et qui prennent des positions. Il faut savoir qu'à l'époque, le camp anticolonialiste était extrêmement minoritaire, mais ça, Alain peut-être en parlera mieux que moi. Et à l'époque, écrire dans un éditorial les simples mots « indépendance »,« autodétermination » et même simplement « négociation », c'était toucher à un tabou, c'était remettre un dogme qui était très largement partagé dans la société française, qui était le dogme de l'Algérie comme département... comme de l'Algérie française constituée de départements français.
Donc à partir de 55, cette censure se met en route. Alors il y a un censeur à demeure qui vient le soir au Marbre vérifier les épreuves et les bloquer. Parfois le journal est bloqué à l'imprimerie même. Et quand la saisie intervient, donc l'équipe est obligée de revenir dans la nuit en catastrophe, essayer de recomposer une seconde édition qui parfois elle-même était à son tour saisie. Donc tout ça était évidemment très coûteux. Le but, c'était vraiment de faire taire les journaux qui s'opposaient à la guerre. Voilà. Et d'où la décision de recourir à ce qu'on appelle les plans. Et on voit là sur la couve du... l'article qu'on a choisi de mettre en couverture, en fait, c'est une enquête de Madeleine Riffaut, donc une grande plume de l'humanité, une héroïne de la résistance, et elle enquête à ce moment-là sur la torture qui a lieu dans Paris même, dans les commissariats, dans les cadres de la Goutte d'Or ou du 13e arrondissement. Et donc, voilà, c'est des blancs. L'article est censuré. Et pour la petite histoire, en fait, Madeleine Riffaut, en plus d'avoir été censurée, a été poursuivie en justice pour diffamation par Maurice Papon. Donc une héroïne de la résistance qui est poursuivie en justice par une figure de la collaboration avec l'occupant nazi. Donc nous, on savait pas, enfin je savais pas en tout cas au départ que ces articles censurés existaient, mais ils ont été précieusement gardés dans un dossier à la documentation du journal, et ben on s'est dit que c'était trop bête qu'ils n'aient jamais atteint leur lecteur. Et à 50 ans de distance, on a voulu un peu briser ces murs de la censure et de l'oubli en les donnant à lire. C'est vraiment une matière magnifique, d'abord parce que c'est très très bien écrit, enfin, c'est vraiment une matière aussi littéraire hein, pour certains reportages, et parce que ça nous donne à voir en fait la façon dont on savait tout sur les crimes de guerre commis à l'époque. Voilà, j'en dis pas plus. On a voulu donner à lire ces articles après 50 ans d'oubli un peu, quoi.